enfants, venus de toutes les paroisses de notre archidiocèse pour prier et échanger les vœux du nouvel an, ensemble avec notre pasteur, en ce dimanche où notre Église universelle célèbre l'épiphanie de notre Seigneur Jésus, c'est-à-dire la manifestation de Dieu au monde par son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Lumière qui dissipe les ténèbres, étoile qui a guidé les mages et l'Esprit qui a guidé également les prophètes. Ensemble, veuillez vous lever pour commencer notre célébration eucharistique. Maboko, maboko. Tobeti Maboko. Maboko. Thank you.
asseoir. Jeunesse congolaise. Jeunesse congolaise. La paix du Christ. Nous allons suivre tour à tour le dépôt des bougies devant la photo du pape Benoît XVI, qui se fera par l'aumônier diocésain de la jeunesse et son Excellence Monseigneur l'archevêque de Brazzaville. Ensuite, le mot de bienvenue qui nous sera lu par un membre du conseil de la paroisse. Veuillez vous asseoir. Excellence Monseigneur, bienvenue Manamika, archevêque de Brazzaville et président de la Conférence épiscopale du Congo, révérend père, chers membres du conseil de la Basilique Sainte-Anne, chers jeunes, la paix du Christ, le curé recteur de la paroisse et son équipe, ainsi que toute la chrétienté de la Basilique Sainte-Anne, ici représentée en son échantillon des jeunes, vous souhaite à tous la bienvenue. Comme le dit si bien le dicton populaire, une maison qui reçoit est une maison bénie. Nous sommes fort convaincus que votre présence en nos murs deviendrait porteuse de bénédictions pour chacun de nous. Chez nous, soyez chez vous. Et donc, merci d'avoir jeté votre dévolu sur notre paroisse pour abriter cet événement. Et que Dieu vous bénisse encore une fois. Bienvenue à la Basilique Sainte-Anne du Congo. Veuillez vous lever. Preparé.
Chantons la gloire de Dieu. Maboko, maboko na esengo nyoso tokobine la mokonzi. Jeunesse, to beti maboko, to bine le mona tate piscopo. Maboko! Kimbo alleluia, kimbo, kimbo. Kimbo alleluia. Nzembo na monoko! Alléluia. Maboko likolo. Kembo alléluia, kembo, kembo. Kembo alléluia. Kembo, kembo. Kembo alléluia, kembo, kembo. Maboko likolo, kimbo alleluia, kimbo, kimbo, kimbo alleluia. Kimbo, kimbo, kimbo alleluia, kimbo, kimbo, kimbo alleluia. Tobeti milolo. Maboko likolo, maboko likolo. Kimbo alleluia, kimbo, oh kimbo, kimbo, kimbo alleluia, kimbo, kimbo. Sai kele, te ikeleve, ikele, te ikeleve. Ewa biya, ewa biya, milala, milala. Mama, bina, kembo na tata, nge, bina, kembo na tata. Yangala le no, Yangala lenu, oh yangala la, yangala la. Oh yangalala, yangalala. To beteli mokonzi maboko. Jeunesse congolaise,
Jeunesse congolaise. Première lecture. Voici que les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, Jérusalem, le Seigneur se lève et sa gloire brille sur toi. Lecture du livre du prophète Isaïe, au chapitre 60, du verset 1 au verset 6. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Regarde, l'obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, et sa gloire brille sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux, regarde autour de toi. Tous, ils se rassemblent, ils arrivent. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur leurs bras. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi avec les richesses des nations. Des foules de chameaux t'envahiront, des dromadeurs des Madian et des Fa. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens et proclamant les louanges du Seigneur. Parole du Seigneur. Avec le psaume 71, méditant. Thank you.
Deuxième lecture. Tous, croyants et païens, sommes associés au même héritage et au partage de la même promesse dans le Christ Jésus. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, au chapitre 3, du verset 2 au verset 6. Frères, vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère du Christ. Ce mystère, il ne l'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées. Comme il l'a révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et à ses prophètes, ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu.
chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Il vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leur présent. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Nous restons debout.
Pas seulement juif, mais bien
Thank you.
Le Fils du Père, ils sont cherchés Jésus, ils ne sont pas allés ailleurs.
d'adoration, les groupes d'adoration, Thank you.
un temps de silence et chacun va voir son jeunesse congolaise. À l'image des mages qui sont venus se prosterner devant toi, l'étoile vivante. Nous te prions pour l'Église afin qu'elle sache toujours conduire les hommes sur le chemin de la vie. Seigneur, nous te prions.
En signe de ta royauté et de ta souveraineté, les mages t'offrent de l'or. Pour ceux qui exercent leur pouvoir tant pour le plan social et politique au moins administratif, qu'ils cherchent sans cesse la justice et le bien commun de tous les peuples qu'ils gouvernent. Seigneur notre Dieu, nous te prions. Les enfants et les jeunes qui souffrent à travers le monde, afin qu'ils sachent s'abandonner entre tes mains. Seigneur, nous te prions. Avertis en songe, les mages regagnèrent leur pays par un autre chemin. Pour tous les pays en quête de paix de par le monde, que ton Esprit Saint inspire à tous les citoyens la grâce de la paix véritable pour que s'installe harmonie et joie de vivre. Seigneur, nous te prions. Nous tous ici rassemblés, que le Seigneur, dans sa manifestation, nous aide à grandir dans la foi et la prière, en témoignant de son amour dans nos milieux de vie. Seigneur, notre Dieu, nous te prions. La paix du Christ. Et si tout l'imbi. La paix du Christ. En France catholique. Oh, lève-toi. Oh, t'es la main. Oh, t'es la main. Jeunesse congolaise. Mali ici écouti, misana nécessité. Et si tu l'aimes, ta épiscope va le mener sur tes tous à la témoin. Enfance catholique, lève-toi. Oh, lève-toi. Oh, t'es la main. La paix du Christ. Nous passons à la quête. Offrons à Dieu les fruits de son amour. En même temps, nous allons procéder aux remises des présents. Ceux qui ont prévu quelque chose pour notre pasteur, voici arrivé le moment
où nous allons passer et à la quête et à la procession des offrandes. Na esengo nyonso toko beta maboko toka bela mokonzi. Maboko, c'est Maboko, 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 loya mona monoko. Soko, eya nalo. Ewara. Ewara. Iya mona. Eno nalo. Tota singila. Maboko, maboko, ewara, teseo. Paroisses qui ont prévu des présents, vous pouvez avancer. Jeunesse congolaise, tozo yembate, tozo bete maboko te. Jeunesse congolaise, nzembo na monoko, maboko tola na nzembo. Thank you.
Maboko. Mabunza Utina Lisanga Emato Kendeko Pesanzambe Mabunza Jeunesse congolaise, jeunesse congolaise. Maboko. Maboko. Thank you.
Jeunesse congolaise, Tozoye Mbate Maboko, Maboko. Maboko. Yambayo. Soma kabuya de pesaka. Yambayo, maboko zole. Yambayo, osso makabuya bele pesaka, fumu yamba. Yambayo. Prions en action de grâce avec Joël Zouma Sengo à l'occasion de son anniversaire de naissance. Nous prions avec la famille Ibarra pour le repos de l'âme de Madame Ibarra, née Kikoli Clarisse. En action de grâce pour l'anniversaire, pour les anniversaires de naissance de Joël Zouma Sengo et de Charelle Aurore Miailama, demandée par les amis de Kingwe. Pour la
Pour vous et pour la multitude, en réunissant les pays.
bien toi, Seigneur, de ton Église se répandue à travers le monde. Elle a grandi dans ta charité en union avec notre Père François. Notre évêque est bienvenu, et tous les évêques, les prêtres et les diables. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les deux femmes, accueillées dans la lumière de ton visage. Souviens-toi de notre Saint-Père, Frédéric de Marseille. Sur nos tous enfants, sur ses enfants, tes enfants, sur ses jeunes, sur leur monde, sa famille, simplement pour moi. Permettre à la personne de la vie, la vraie besoin de Dieu, avec ses besoins pour son épouse, sa pauvre, sa sœur, leur être à jour dans nos âmes, nous ayons à la vérité. Donnez-vous la paix du Christ.
Thank you.
Veuillez vous lever. Jeunesse congolaise, jeunesse congolaise, enfance catholique, lève-toi, oh lève-toi, oh t'es la main, oh t'es la main. Jeunesse congolaise, Nanzengwa Gloria, Toti qui tate episcopa bini moka kititi na sekuna biso te telemaki. Sika we commune Nzengwa action de grâce. Oya kobina te. Oya kobina te. Balobina biso te teleme. Donc toko teleme biso banso. Koral tozo yo kabino te. Nzembo na monoko na maboko oya kobina te. Tokotika tate piso kabina ye moko. Akobina ye moko. Boboto. Tokobeti la nzambe na biso maboko libusu. Chant d'action de grâce. Boba croiser ma boko, badingi ba beti lanzane ma boko te. Maboko na bino zoma, maboko, maboko, maboko.
Ntsai kele tei keleve. Kele tei keleve. Ewa bia. Ewa bia. Congolaise, quelques annonces qui nous viennent de la CDPEJ. Prélude à la célébration du 16e jour national de la jeunesse le 12 février 2023. Il se tiendra du vendredi 10 au 12 février 2023 la 10e édition du forum diocésain de l'enfance et de la jeunesse. Seront attendus les aumôniers, les religieux et religieuses œuvrant dans la pastorale juvénile, ainsi que les responsables des CPPEJ et des mouvements d'apostolat des jeunes et enfants. Les frais de participation s'élèvent à 5 000 francs. Le lieu vous sera communiqué ultérieurement. À la fin de cette messe, il est demandé aux responsables de CPEJ de passer à l'école pour faire entrer les bancs dans les salles. Nous avons utilisé les bancs. Demain, les autres auront cours. Donc, nous sommes appelés à remettre les bancs dans les salles. La paix du Christ. À présent, nous accordons la parole à un enfant ADS pour le mot de l'enfant.
Excellence Monseigneur, bienvenue Manamika Bafouakwaou, archevêque de Brazzaville. Nous, enfants de l'archidiocèse de Brazzaville, voudrions rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits durant l'année pastorale 2021-2022, en tout ce qu'elle a été pour nous, peuple de Dieu dont vous avez la charge de conduire, mais aussi en ce qu'elle a été pour vous. Monseigneur, au terme de cette Eucharistie, nous vous exprimons notre profonde gratitude pour votre attention particulière et votre amour à l'endroit de l'enfance et de la jeunesse de notre archidiocèse. Votre souci de nous voir grandir dans la droiture et vivre dans la synodalité pour la bonne gestion de notre Église s'exprime même par le thème que vous avez choisi pour cette année pastorale, à savoir « Ensemble construisons notre Église en mettant tout en commun ». Éphésiens chapitre 2 et versets 19 à 22. Lequel thème nous invite à la fraternité, à la solidarité, tout au long de cette année pastorale 2022-2023. Pour bâtir et développer notre Église et notre société, en mettant tout en commun. Père évêque, ce thème nous fait prendre conscience que le temps est arrivé pour témoigner le Christ dans nos milieux de vie respectifs, vos orientations pastorales, ainsi que les instructions de nos aumôniers diocésains et paroissiaux, de nos encadreurs, nous aideront efficacement à être les témoins de l'Évangile dans nos familles, nos quartiers, nos écoles et notre Église. C'est pourquoi nous vous invitons à mettre un accent particulier sur la pastorale de l'enfance et de la jeunesse dans notre cher archidiocèse. Excellence, en cette année nouvelle, permettez-moi, au nom de toute l'enfance et la jeunesse de l'archidiocèse de Brazzaville, de vous présenter nos vœux les plus sincères de santé, de longévité et de prospérité à vous et à votre famille biologique, et que votre ministère épiscopal soit fructueux. Monseigneur, nous, enfants et jeunes de Brazzaville, avons une grande estime pour vous. Notre vœu le plus ardent est que chacun de nous ait le courage de renoncer au mal pour prendre un nouveau départ avec le Seigneur, lui, l'ami fidèle, l'ami de tous les jeunes et enfants. Que par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, notre douce et tendre mère, le Seigneur vous comble de ses grâces et vous donne la force de toujours paître ses brebis. Bonne et heureuse année 2023. À vous, Monseigneur, bienvenue, Manamika Bafouakwaou. Je vous remercie. La paix de Christ, jeunesse congolaise, nous invitons à présent l'aumônier diocésain de la jeunesse pour son mot de circonstance. Après le mot de l'aumônier, nous nous leverons pour exécuter l'hymne de la jeunesse. Jeunesse congolaise,
Jeunesse congolaise, Alianzie, Agnienze, Alianzie, Agnienze. Excellence, Monseigneur, bienvenue Manamika Bofokwaou, archevêque métropolitain de Brazzaville et président de la Conférence des évêques du Congo. L'abbé Kelly Milongo, secrétaire chancelier et curé de la basilique Sainte-Anne du Congo. Abbé Ander Ketiketi, aumônier diocésain de l'enfance. Chers confrères prêtres, diacres, ici présents, respectivement aumôniers diocésains des différents mouvements d'apostolat, des jeunes et des enfants, chers aumôniers paroissiaux, chers membres et responsables du BEDAL, chers membres et responsables de la CDPEJ, chers membres et responsables des deux conseils de la Basilique Sainte-Anne du Congo, chers membres et responsables des CPPEJ, chers frères et sœurs, toutes préséances respectées, chers jeunes et enfants de l'archidiocèse de Brazzaville, Alianzie, Agnienze. La célébration de l'épiphanie du Seigneur met en lumière le caractère universel du salut qu'apporte Jésus au monde. Le pape François l'a souligné au début de son homélie prononcée face à l'autel de la confession de Saint-Pierre. Je cite, « Comme une étoile qui se lève, Jésus vient éclairer tous les peuples et illuminer les nuits de l'humanité. » Fin de citation. Chers frères et sœurs, c'est avec une joie immense et un cœur débordant d'allégresse que je prends la parole ici et maintenant pour saluer et honorer cette auguste assemblée que vous êtes et dont je suis plein de gratitude, réunis en cette basilique Sainte-Anne du Congo, pour célébrer avec faste et ferveur cette solennité de l'épiphanie où tous les jeunes et enfants de notre archidiocèse sont réunis autour de notre Père évêque, Son Excellence, Monseigneur, bienvenue Manamika Bafouakouaou. Voilà pourquoi, dans des circonstances pareilles, les mots peuvent couler à flot pour exprimer notre gratitude. Mais d'autres fois, la bouche peut aussi rester sans dire mot ou choisir un seul. Et ce est le seul mot que nous choisissons pour cette circonstance, c'est merci. Comme l'écrivait Amadou Ampateba, un étrange destin de Vongrain. Je cite, merci est un bien modeste, petit mot, mais s'il ne sort de la bouche que sur l'effet d'un acte qui inspire la gratitude. Fin de citation. Par ce petit mot, dont la charge sémantique révèle l'immensité de ma reconnaissance et de mon attachement dans le Christ, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à vous tous et toutes qui êtes venus participer à cette Eucharistie. Alors, je ne saurais brasser mon mot dans vos cœurs qui sont déjà enflammés par la joie de vivre ce moment heureux autour de notre Père évêque sans lui dire un merci particulier. C'est ainsi que ma gratitude s'adresse d'abord
et d'une manière toute particulière à notre Père évêque, Son Excellence Monseigneur, bienvenue Manamika Bafouakouaou, qui, du haut de son fauteuil épiscopal, ne ménage aucun effort pour laisser entendre sa voix de raison et de pasteur à l'endroit de l'enfance et de la jeunesse à travers cette solennité de l'épiphanie, dont il consacre une grande importance dans son agenda pastoral. Nous ne cesserons jamais de vous en dire merci. Merci pour tout l'intérêt, Excellence, que vous accordez à la formation de l'enfance et de la jeunesse. Excellence, vos efforts et vos enseignements ne resteront pas sans fruit escompté, car vous ne cessez de confirmer cette parole de Saint Jean Bosco qui stipule que, je cite, « Il ne suffit pas d'aimer les jeunes et les enfants, ils doivent se rendre compte qu'ils sont aimés. » Fin de citation. Et votre présence ici et maintenant nous l'enseigne plus. Excellence, merci de tout cœur pour la confiance renouvelée à ma modeste personne pour continuer mon ministère au service non seulement comme aumônier diocésain de la jeunesse, mais aussi et surtout président de la CDPEJ qui est à Brazzaville. Soyez en sûre excellence, nous conjuguerons des efforts multiformes pour relever tant bien que mal cette pastorale juvénile que vous portez d'ores et déjà sur vos épaules. Ensuite, merci à vous, chers confrères prêtres, diacres, aumôniers diocésains des mouvements d'apostolat jeunes et enfants, chers aumôniers paroissiaux, religieux, religieuses, je vous exprime mes remerciements dans le Christ. Je salue ici votre engagement et votre dévouement au service de cette pépinière. Je redis par ce mot mon amitié et mon admiration pour ce ministère que nous avons toujours à découvrir. Soyez-en remerciés. Enfin, nous disons merci à vous, chers responsables de la CDPEJ, des CPPEJ et aux acteurs de l'enfance et de la jeunesse. Malgré vos multiples occupations, vous avez su honorer à ce rendez-vous et manifester encore et une fois de plus votre expression bienfaitrice dans cette pastorale de l'enfance et de la jeunesse. Merci pour votre engagement. Je ne saurais clore ce mot sans féliciter tous les jeunes et enfants ici présents. Chers jeunes, chers enfants, marchez avec conviction sur les traces du Christ, comme les mages conduits par l'étoile jusqu'à la découverte et à l'adoration profonde de l'Emmanuel. Persévérez sur cette voie de la synodalité pour assurer une vitalité nouvelle dans vos différentes paroisses, car celui qui découvre et adore le Christ change de direction à l'instar des mages. Aussi, nous saisissons cette aubaine pour dire un grand merci à ceux qui nous soutiennent et nous épaulent dans l'édification de cette humanité sociale et morale que nous voulons être pour ces enfants et ces jeunes et qui est pour nous un sacerdoce. Merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour l'organisation et la réussite de cette journée. Aux âmes discrètes et prises d'amour et de générosité, aux personnes qui se sont dévouées corps et âme pour accompagner les enfants, que le Seigneur vous en redonne au centuple. À tous les acteurs liturgiques, aux choristes, à toutes et à tous,
Soyez remerciés et que Dieu vous bénisse davantage. Je vous remercie. Veuillez vous lever. Nous allons chanter l'hymne avec la chorale.
congolaise. Esengoto, esengote. Esengoto, esengote. Tokobete la mokonzi maboko. Veuillez vous asseoir. Nakimi Anyonso. Jésus. Ah! Super! Je vous remercie.
Dieu. Petit à petit, ne vous précipitez pas, malin de malin.